Philippe Pascaud, Scribouillard. J'ai écrit 6 livres, marié, 6 enfants, emmerdeur professionnel. Alors j'étais maire adjoint de Valls, j'étais président de parti politique, j'étais conseiller régional, président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. Je travaille, je suis fonctionnaire, collectivité territoriale, je m'occupe d'un truc qui s'appelle la Halle du Rock, où j'ai 54 groupes de musiciens, 4 locaux de répétition, un local d'enregistrement. Je me suis occupé d'un orchestre symphonique pendant 5 ans en Afrique, au Congo. Toujours marié, toujours 6 enfants. Alors mes livres ont la particularité d'être factuels et de ne parler que des avantages et des privilèges que se sont octroyés nos dirigeants et nos élus durant 40 ans. Je mets les noms, sur mes 6 livres exactement, j'ai mis 1600 noms d'élus qui ont mis les doigts dans la confiture. Notre confiture, notre argent. Alors il y a 700 000 élus, il y a 700 000 élus en France, il n'y a pas 700 000 pourris. Par contre, ce qui est vrai, c'est que plus on remonte en haut de la pyramide, et ceci n'est pas un geste maçonnique, plus on rencontre des gens qui sont pourris. Parce que pour monter en haut de la pyramide en tant qu'élu, tu es obligé de faire tellement de compromis, de compromissions, de magouilles, d'assassinats, que tu te pourris automatiquement. Et qu'en plus, plus tu montes en haut de la pyramide, plus faire de la politique, ça coûte de l'argent. Et en général, c'est pas le tien. C'est pas bien. Il n'y a qu'un seul type que je connais, moi, en politique depuis 25 ans, qui dépensait son propre argent, c'était M. Serge Dassault. Tous les autres, c'est du pognon extérieur. Et quand tu sais qu'une campagne présidentielle, ça coûte, deuxième tour, 22 millions d'euros. En réalité, on sait aujourd'hui qu'une campagne présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Ouais. Et quand tu regardes la campagne de Sarkozy, quand tu regardes la campagne de Hollande, quand tu regardes la campagne de Macron, c'est à peu près la même. Donc, grosso merdo, une campagne présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros. Tu les as ? À un moment donné, ces gens-là vont bien chercher de l'argent ailleurs. Et quand on te donne de l'argent ailleurs, à mon avis, ils veulent un retour sur investissement. Donc voilà, quand tu commences à comprendre ce genre de choses, tu t'aperçois que plus tu montes en politique, plus c'est très difficile de rester propre. On m'a offert des comptes en banque à 6-0 en Suisse. Parce que j'étais président de la formation professionnelle et que c'était intéressant d'ouvrir une formation, d'ouvrir un CFA, d'accélérer certaines procédures. Ben, j'ai demandé aux gens d'inscrire ça dans le contrat, puis je ne les ai jamais revus. Et autour de moi, il y a un certain nombre de gens qui, oui, ont eu un train de vie qui, d'un seul coup, s'est accéléré. C'est pas simple. C'est le système qu'il faut changer. C'est pas les gens, etc. Ceux qui disent Macron démission, c'est bien, mais ça sert à rien. Si c'est remplacer un con pourri par un pourri con, à quoi ça sert? Donc c'est le système qu'il faut changer. C'est les contrôles qu'il faut augmenter. C'est pas ce qu'on veut nous faire croire en changeant la personne, etc. On a mis Balkany en prison, là, tout le monde est content. Mais les autres? Un après-Balkany, ça va être exactement la même chose. Et on recommence encore pendant 20 ans avant de le mettre en prison. Il faut renforcer les contrôles. Il faut faire que les mandats ne soient pas des mandats à vie. Il y a plein de trucs simples à faire. Le fait que les gens ne puissent pas s'enfermer et s'engoncer dans la béatitude de l'élu qui est le maître de tout. Il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, il faut que les élus se rendent compte que c'est nos employés. Les employeurs, c'est nous, c'est pas eux. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est notre argent, c'est pas le leur. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est nous le nombre, c'est pas eux. Mais il y a tout un travail d'éveil à faire au niveau des consciences, au niveau des individus, qui veulent tous des élus honnêtes, mais pas le mien. Qui veulent tous habiter à la campagne, mais à condition d'avoir Carrefour à 3 minutes. Qui veulent tous, et on le voit en ce moment, respirer l'air pur. À condition qu'il n'y ait pas une mare à côté ou qu'il y ait un canard qui est en train de caqueter ou un coq qui machin. Il faut que les gens remettent réellement les choses à leur place. Tout le monde veut de la nourriture propre, saine, mais tout le monde continue à acheter de la salade sous cellophane. Parce que c'est plus facile. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on ne prend plus le temps de regarder. Aujourd'hui, celui qui est élu, c'est celui qui fait le plus de télé. Macron, il a quand même eu 64 couverture de magazine pendant la campagne présidentielle. C'est surtout pour ça qu'il a été élu. D'une part parce que les autres étaient usés, méchants, qu'on s'est fait niquer par la droite, on s'est fait niquer par la gauche, on savait plus pour qui voter, et qu'on nous a fait croire que ce titre-là était le Kennedy moderne. On s'est fait niquer et on s'est fait manipuler. Et les gens se laissent manipuler.
Et ça, à un moment donné, il faut que les gens, ils arrêtent de se laisser manipuler. Je vais te donner un autre exemple. On est en train de préparer la suppression de l'argent liquide. Mais les gens vont être d'accord. Ne croyez pas que les gens vont se battre. Mais tu te rends compte, la petite mémé, elle va plus se faire agresser. Il n'y a plus d'argent. Si ta maison brûle, mais t'inquiète pas, on remettra l'argent sur les cartes. Et puis, ton mari, il n'aura plus les poches déformées par les billets et la monnaie dans sa poche. Et puis, tu ne te tromperas plus en rendant ta monnaie. C'est eux qui vont s'en occuper. Ah ouais, c'est bien. Moi, je vois plein de jeunes qui disent c'est bien. Non. Non. Quand il n'y aura plus d'argent liquide, quand tu vas vouloir donner 20 euros à ta petite fille le week-end pour qu'elle s'achète un truc en douce, tu pourras pas. C'est sur ta carte. Quand tu vas vouloir aller en brocante pour t'acheter un petit truc, tu pourras pas. C'est sur ta carte. Quand tu vas vouloir rendre service à un pote le week-end pour qu'il te donne 150 euros pour nourrir ta famille et que tu vas aller dépeindre sa maison, tu pourras pas. C'est sur ta carte. Mais c'est plus pratique. Les seuls qui vont être niqués, ça va être les petits et les salariés. Toujours ceux qui sont au bout de la chaîne. Aujourd'hui, par exemple, je te le dis, il y a plus de contrôle sur la fraude sociale que sur la fraude fiscale. Il y a plus de contrôle. C'est vrai qu'il y a quelques connards qui truandent sur le RSA. Mais pourquoi on met des batteries de contrôleurs sur ces gens-là qu'on ne met pas sur les gens qui truandent des milliards? Je veux juste qu'on m'explique. Aujourd'hui, je vous le dis, moi je suis un de ceux qui militent pour que les gens aillent voter. Même si le blanc ne sert à rien aujourd'hui, il faut mettre du blanc. Mais il servira que quand les gens le mettront massivement. C'est l'inverse de ce qu'on peut croire. Quand tu as la peste et le choléra, tu prends une hypothèse de travail au deuxième tour sur une élection. Quelle est la meilleure façon de comptabiliser ton mécontentement? C'est d'aller dans l'urne et de mettre un bulletin blanc. Le remplaçant de M. Valls a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Et je ne te prends en compte que les inscrits. Le remplaçant de Dassault a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. Un peu plus d'un demi électeur sur 10. Voilà la démocratie qu'on nous propose aujourd'hui. Et voilà ce qui les arrange. Aujourd'hui, j'ai des endroits où il y a 90% de gens qui ne vont pas voter. Attention les enfants, vous avez l'impression de faire un acte politique, mais vous ne faites pas un acte politique, vous arrangez les ripoux, parce que pour eux c'est de plus en plus facile d'être élu. Et puis quand ça va trop se voir, parce que ça commence à se voir, ils vont vous proposer un système pour lutter contre l'abstention, le vote électronique. Et les gens vont dire c'est bien, je peux voter de chez moi. Je n'ai pas obligé de me déplacer le dimanche, je peux le faire en famille. Puis vous inquiétez pas les enfants, c'est sécurisé. Moi je te parle d'un vote blanc massif quand il y aura 90% de vote blanc dans l'urne. Ça, tu vois, en représentation graphique. Et ça pour le candidat, eh ben, ces gens-là ne seront plus représentatifs de la population. Et là, ils seront obligés de mettre le bulletin blanc. Nous sommes encore dans une société où le vote se fait mano à la mano. C'est-à-dire que tu comptes les bulletins. Il y a l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C. Il y a les télés qui sont là. Donc ils ne peuvent pas évacuer. Ils ne veulent pas que vous fassiez ça. Ils ne veulent surtout pas que les gens redeviennent citoyens. Et disent, moi je ne veux pas de la peste, moi je ne veux pas du choléra. Mettez-moi un autre candidat, je vote blanc. Imagine, ça de blanc, ça pour le candidat. Quand le candidat vient te voir après, il est élu, mais il n'est plus représentatif. J'ai pas voté pour toi, Camembert. Et là, ils seront obligés de changer les choses. Ne pas les voter, ça arrange les élus. Ça les arrange. Continuez à pas les voter, ne vous inquiétez pas. Il me reste mon frère, ma soeur, le type à qui j'ai trouvé du boulot, il me reste ma petite équipe, la cellule communiste ou la cellule socialiste ou la cellule du RPR, j'en cite trois. La loi, c'est d'en citer trois. Qui, de toute manière, eux, c'est des inconditionnels, ils voteront pour moi. Si les moutons ne votent pas pour moi, tant mieux. Surtout, n'allez pas voter. Ça, c'est un bonheur. Et une fois qu'il y aura le vote électronique, la démocratie, c'est fini. Moi, j'ai les preuves aujourd'hui. Je dis bien, j'ai les preuves, je ne fais que du factuel. Que les votes électroniques sont truandés à 90%. J'ai les preuves. 49-51... Ça me plaît pas. Je clink. Tandis que les bulletins, même s'il y a encore quelques petites truandages, comme un mec du côté de Marseille qui avait mis des bulletins dans ses chaussettes, c'est peanuts.
Les bulletins, on les voit, on les compte. Imagine sur une table, une pile comme ça, le bulletin blanc et le bulletin nul, et une pile comme ça pour les candidats. Ils sont obligés de changer les choses. Sauf que les gens ne sont pas encore assez éveillés pour comprendre ça. Mais ça va prendre, parce que de toute manière, il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas voter. Et ça commence à trop se voir. Donc ils vont être obligés de proposer quelque chose. Mais ils ne vont pas proposer quelque chose pour que ça aille mieux. Ils vont proposer quelque chose pour renforcer leur pouvoir. Et le vote électronique en fait partie. Parce que celui qui sera derrière l'ordinateur, c'est lui qui commande. Puis je vais te dire un truc vachement simple pour lequel les gens ne réfléchissent pas. Tu recomptes comment, s'il y a un litige, avec le vote électronique ? Ils te diront, c'est mieux. Je peux le faire de chez moi. Je ne suis pas obligé de me déplacer le dimanche. Je demande à ma femme pour qui je vais voter. Je ne suis pas tout seul dans l'isoloir. C'est un bonheur. Les gens, des fois, par manque d'éveil, font leur propre malheur. Donc moi, je tape sur le système. Mais il faut aussi que les gens acceptent de changer le système. Il faut qu'on arrête d'être une minorité. Il faut qu'on soit une majorité. Il n'y a pas assez de gens dans la rue en ce moment. Je le dis toujours. Maintenant, on a lancé une formule avec Jérôme et d'autres. Un samedi par mois, tous à Paris. S'il y a 5 millions de personnes qui se déplacent à Paris, ils sont morts. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Par contre, il faut contrôler les chefs. Par contre, il faut changer les chefs. Par contre, il ne faut pas faire que les chefs s'endorment dans leur mandat. Par contre, il faut lutter contre les cumuls de mandats. Il faut lutter contre les cumuls dans le temps. Ça, c'est déjà des formules plus intéressantes. Mais c'est marrant, tous les mecs qui deviennent élus sont plus du tout contre le cumul des mandats. Ils y sont avant. D'ailleurs, j'ai une formule pour ça que je sors souvent en conférence. Souvent, les élus ne peuvent être efficaces que quand ils sont dans l'opposition. Dès qu'ils sont dans la majorité, ils ne peuvent plus rien dire. C'est bizarre, hein ? Puis quand tu réfléchis, avec la connaissance que j'ai, je me dis, putain, la soupe est bonne. Et c'est vrai que les mecs, quand ils commencent à goûter à la soupe, qu'ils décriaient 6 mois avant, ils disent, bah, en fin de compte, c'est pas si mal, hein. Oh, on va peut-être pas changer les choses tout de suite. Ou on va le faire après, comme Macron fait en ce moment, hein. C'est-à-dire, Macron, tout ce qui est bon, c'est après. Tout ce qui est pas bon, c'est pour maintenant. Les réductions d'impôts, les machins, c'est pour 2023, 2025, etc. Par contre, vous prendre du pognon, c'est pour maintenant. Mais les gens ne disent rien. Si on bloque Paris, des gens qui arrivent par la porte d'Orléans, allez, les avocats. Par la porte de Montreuil, les ambulanciers. Par la porte de Bagnolet, les VTC. Par la porte d'Italie, les fonctionnaires. La seule façon qu'on a de faire bouger les choses, c'est le nombre de façon pacifique. 1 million de personnes à Paris, un samedi par mois, tous à Paris, au bout de 2 semaines, parce que lui, il ne va pas céder le premier mois, au bout de 2 mois, Macron, il baisse les bras. Parce que tous les lobbies vont lui tomber dessus, ils auraient dit, bonhomme, ça suffit, là, on perd du pognon. Hein. Tu nous as bloqué Paris tout le samedi, ça a foutu un bordel monstre, t'arrêtes. C'est tellement simple à comprendre. Et une fois qu'on a des élus honnêtes, oh tiens, je vais te dire un truc, je me bats depuis pour 5 ans. Aucun élu ne peut se présenter aux législatives s'il n'a pas un casier vierge. Si on a des élus qui sont honnêtes, ils vont voter des lois comment ? Ils vont voter des lois honnêtes. Peut-être qu'on va peut-être arriver un peu à changer le système. Et si jamais on a des élus honnêtes, les lobbies ne pourront pas faire ce qu'ils veulent pour faire voter des lois uniquement pour faire du profit. Mais c'est la seule façon logique et constructive. Faire la révolution par le sang, ça sert à quoi ? Historiquement et socialement parlant, toute révolution par le sang remplace des gens qui avaient des droits par des gens qui ont des privilèges. Et les premiers mecs qu'on tue dans les révolutions par le sang, c'est des mecs comme moi. Soit on le stoppe, soit la société de demain, je le dis toujours, 3 petits boulots, mal payés, pas protégés. Tout le monde fermera sa gueule. Et comme on ne pourra pas payer le fric de la sécurité sociale quand on va vouloir se faire soigner parce que ça coûtera trop cher, etc. Plus personne se fera soigner, la sécurité sociale ira mieux. Et j'en ai la preuve, parce que je ne parle jamais autrement qu'en factuel. Depuis qu'ils ont plafonné les indemnités aux prud'hommes, même si c'est des sorciers sans cause réelle et machin, et ben il y a une chute de plus de 70% des plaintes aux prud'hommes. Pourquoi ? Parce que le pauvre salarié qui se fait virer de façon malhonnête, il sait que ça va lui coûter plus cher en avocat que ce qu'il va récupérer en indemnité. Et du coup, on peut dire que les prud'hommes, il n'y en a pas besoin, il faut les supprimer. T'organises le fait. Et la sécu, puisque plus personne ne va se faire soigner. Quand tu ne pourras pas payer tes dents,
et que tu vas faire comme dans un tapis où tu peux te faire soigner une dent tous les 10 ans. Ben, la Sécu, elle est bénéficiaire. Hein. Mais est-ce que c'est la société que je veux pour demain? Eh bien, c'est la société que M. Macron est en train de nous préparer. Et l'entre-deux, il est simple. Préparez-vous pour vous battre réellement. Moi, je dis un samedi par mois, tous à Paris, ça laisse le temps sur les ronds-points de vous cotiser pour acheter un car. Mais cotisez-vous, achetez des cars. Et quand il y aura 600, 700, 800 cars qui montent sur Paris le même samedi, il est mort. Il est mort. Et c'est pour ça que quand M. Campion, qui est un type relativement, je ne dirais rien, a menacé de faire monter les forains sur Paris quand ils étaient à 60 km. M. Macron et son cabinet se sont empressés de lui téléphoner dans la nuit pour lui promettre je ne sais pas quoi, peut-être les municipales de 2020 ou sa grande roue qui va continuer à pouvoir être sur la place de Paris pendant X temps. Mais il a eu la trouille. La force du nombre. Mais nous sommes le nombre. Ces gens-là sont combien? Il y a 577 sénateurs et députés. Tu en rajoutes, c'est que dalle ces gens-là. C'est que dalle, nous sommes le nombre. Si on était capable de le comprendre et d'arrêter de suivre des petits chefs ou des mecs payés par Macron qui vous empêchent, mais il y a longtemps qu'ils seraient tombés. Vous croyez que devant 2 millions de personnes, les flics qui sont le seul rempart de Macron en ce moment, ils taperaient encore? Mais quand vous avez 1 million de personnes en face de vous, les mecs, ils mettront leurs armes par terre. Hein. Le connard sadique avec son tonfa, il le rangera dans sa poche. Hein. Là, c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux, c'est parce qu'ils nous dispersent. C'est parce qu'on n'est pas capable de s'organiser. C'est parce que les égos des uns et des autres empêchent d'avancer, qu'on ne progresse pas. Mais j'ai du mal à l'expliquer. Il faut que les gens travaillent sur le point qui les unit et non sur tous les points qui les désunissent. C'est simple, arrêtons de faire ce que Macron nous a dit, d'aller partir dans 50 trucs. Un ou deux objectifs, c'est tout. Et quand tu n'as que un ou deux objectifs, tu t'occupes pas de savoir si le mec il est communiste, etc. Des objectifs simples. Le RIC, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, un remaniement et un contrôle des élus, c'est déjà trois trucs. Déjà, il y en a presque deux de trop. Donc des trucs simples. À partir du moment où on se base sur des objectifs simples, sans se branler la tête, comme ils ont voulu, sans faire des grands débats, où tout le monde met des trucs dans la salade et on ne sait même plus qu'est-ce qu'il y a dans la salade. Quand il y a trop d'ingrédients dans une salade, elle est immangeable. Il n'y a rien de mieux qu'une salade verte avec un petit filet d'huile d'olive et un petit peu de sel. La simplicité. Et ils font tout pour compliquer. Redevenons simples. Redevenons simples. Et des actions imaginatives. Je le dis toujours, il y a les manifs, mais il y a plein d'autres choses. Pendant les 3 semaines, on n'est pas là. Regardez mes vidéos, j'ai proposé des trucs à base de sardines, à base de boules puantes. Vous rentrez à 40 dans un star... ce que je dis, il ne faut pas le faire. Je fais gaffe aux mises en examen derrière. Donc ne le faites pas. Mais vous pouvez très bien être 40, entrer dans un Starbucks et commander un café. C'est légal. C'est du constructif. Et vous vous cotisez à 40 pour payer ce café que vous buvez en 2 heures. Bien assis dans le Starbucks. Tapez là où il y a du pognon. Eux ne payent pas d'impôts. J'ai le droit de vous commander un café, monsieur 40. On a le droit de se cotiser pour vous le payer. Et quand vous partez au bout de 2 heures, vous appelez le patron, dit à bientôt. Ça, c'est aussi constructif qu'une manif des fois. Et ça, vous pouvez le faire à 20h40. iBoycott.org. On a réussi à faire plier par des emails les boîtes de thon petit navire. Je dis toujours, je confonds avec petit bateau. Non, petit bateau, c'est les culottes. Donc petit navire, avec des emails, ils ont plié. Donc on peut inventer des nouvelles formes de combat. On peut être imaginatif. Mais il faut juste se réunir à 5 ou 6 et puis être constructif. Imaginez des formes de combat. Et on peut sans problème. Faites-le. Et je le dis, je termine là-dessus. Je ne suis pas payé par la CIA. Je ne suis pas payé par le KGB. Je gagne 1 euro net par livre et je ne vole personne.